Christelle, Mélena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien, Christelle, nous t'écoutons. Alors, depuis petite, j'ai un profond sentiment de mal-être. Voilà, et puis je me sens je suis vraiment fatiguée de cette vie, avec un profond sentiment de ne pas être à ma place. Et puis avec une pensée récurrente d'avoir envie de rentrer chez moi. C'est-à-dire que ça m'arrive souvent quand je ne vais pas bien. Voilà, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi. Je me sens pas à ma place. J'ai aussi un grand sentiment de désespoir, un sentiment d'avoir raté ma vie, d'avoir raté mon incarnation, d'être passé à côté de mon chemin de vie. Et voilà, ça m'arrive très très souvent d'en vouloir finir avec la vie, hein. J'ai fait quand même deux tentatives de suicide. En fait, j'ai hâte qu'elles se terminent. Voilà, j'ai des profondes tristesses, sentiment que ma vie est inutile, le sentiment d'être nulle. Probablement une co-création avec mon père qui me disait sans arrêt que j'étais nulle, que j'arriverais jamais à rien dans la vie. Donc du coup, voilà, j'ai l'impression de devoir faire que des choses productives et je prends pas plaisir. Enfin voilà, je culpabilise quand je prends plaisir. Voilà, dans des bons moments qui peuvent m'arriver, voilà, et je culpabilise énormément d'avoir pu prendre du plaisir. J'ai contact avec mes parents depuis 7 ans. J'ai du mal à affronter mes journées. Hein, le matin, j'ai du mal à me lever. J'ai un sentiment de voilà, c'est encore une journée. C'est vraiment c'est compliqué. Bon, une fois qu'elle est entamée, bon, ça va, ça se passe très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, je fais aussi des choses au dernier moment, dans la hâte, hein, je procrastine, surtout ces derniers temps. Ça m'arrive aussi très souvent de la fin de la journée, quand je suis fatiguée, de devoir compter, en fait, c'est bizarre, mais je compte les choses qui me restent à faire. Par exemple, allez, je dois encore me préparer à manger, je dois encore me doucher, je dois encore ranger telle chose, et je les compte, en fait. Voilà. Pour dire que j'ai besoin que ça se termine. En fait, j'ai hâte de me coucher. Et par contre, c'est vrai que je fais des rêves assez. Je me retrouve. En fait, je me réveille vers 5-6 heures du matin. Et là, je me réveille, je prends un verre d'eau et je me rendors et je me retrouve dans une ambiance un petit peu. Voilà, c'est toujours la même chose. Je me retrouve dans une drôle d'ambiance, un peu des rêves éveillés, mais voilà, c'est toujours la même ambiance. Et la même Qu'est-ce que je ambiance, peux. est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces rêves s'ils sont récurrents? Ouais, c'est-à-dire que je me retrouve dans une ambiance où c'est des sortes de. Comme si j'étais je suis dans un endroit et il y a beaucoup, souvent, je me retrouve souvent dans des sortes de labyrinthes, mais c'est des labyrinthes avec des endroits que je connais, des endroits que je ne connais pas. Et je suis toujours voilà, à la recherche de quelque chose. Voilà, mais c'est surtout le lieu, en fait, qui m'interpelle. Voilà, c'est souvent le même lieu, le même endroit. Voilà. Donc, je suis aussi hypersensible, hyper émotionnelle, avec plus. Voilà, du coup, je me sens toujours en décalage avec les autres. J'ai un très, très gros problème de relation avec les autres. J'ai énormément de mal à m'exprimer. Ça m'arrive assez souvent de me mettre à bégayer quand j'arrive pas à exprimer mes émotions. Et puis il y a un décalage entre ce que je voudrais, entre ce que je pense et ce que je voudrais dire. Voilà, et ça, je me suis souvent sentie incomprise. Et même mes parents, quand j'étais petite, ils n'ont jamais compris cette hypersensibilité que j'avais. Donc du coup, je me suis isolée très jeune. J'ai commencé à m'isoler. Hein, j'ai des souvenirs de moi toute seule dans ma chambre. Voilà, et du coup.
quand je rencontre des gens ou ben j'essaye d'aller à la rencontre des gens, mais je sens le retour que j'ai des gens, c'est comme si me c'est pas qu'ils me rejettent, mais je sens que je ne suis pas à ma place. Je sais pas si j'arrive à me faire. C'est clair, c'est très clair. Voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de dépression. Alors, voilà aussi ce que je voulais dire, c'est que j'ai usé et abusé des drogues pendant très longtemps. J'ai rencontré la drogue, les drogues dures, hein, je parle héroïne, cocaïne, MDMA, ecstasy, LSD, à l'âge de 16 ans, jusqu'à ce que je tombe enceinte, jusqu'à ce que je rencontre le père de mes enfants, hein, mon mari. Donc, j'ai arrêté quand j'ai été enceinte de ma fille. Donc, j'ai eu un arrêt pendant 10 ans, 10-11 ans des drogues. Et j'ai rechuté au suicide. Mon mari s'est suicidé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est séparés parce qu'il était alcoolique et enfin, violent, même. Voilà, alcoolique et violent. Du coup, moi, pendant 11-12 ans, j'ai été sa petite infirmière jusqu'au jour où je pouvais plus. On a eu trois enfants ensemble. Et puis, voilà, j'ai voulu protéger mes enfants. Donc, j'ai fait le choix de me séparer de lui. Et puis, un an après qu'on se soit séparés, voilà, il s'est défenestré. Donc, ça a été un gros, gros choc. Voilà. Et j'ai une très grosse culpabilité par rapport à ça. Parce que j'ai eu l'impression de ne pas en avoir encore assez fait. Aujourd'hui, mes enfants, enfin, j'ai ma fille qui ne me parle plus. Et puis, alors, je ne sais pas si ça a une relation ou pas, mais quand j'ai pris rendez-vous de la session, 2, 3 jours après, mon troisième enfant, donc mon fils, m'annonce qu'il ne veut plus me voir non plus. C'est très, très violent pour moi. Donc, ça fait 2 mois que je passe des journées à pleurer. Voilà, et c'était des. J'ai l'impression de descendre, je descends, je descends, je descends. Et parallèlement à ça, ce qui est étonnant, c'est que des fois, l'extérieur va me renvoyer. Voilà, j'ai des gens qui viennent me voir comme s'ils avaient besoin de moi. Voilà, il y a 2, 3 jours, une connaissance, je viens de rencontrer, et qui a eu besoin de parler, de se décharger. Et en fin de compte, j'ai eu l'impression que c'était ça toute ma vie, que les gens venaient me voir pour se soulager, pour parler, pour lâcher leurs bagages, parce que j'ai peut-être la capacité aussi de prendre tout ça, voilà, de prendre toutes ces énergies. Alors, je voulais aussi mentionner que j'avais fait. Alors, j'ai fait une EMI. Alors, quand ça s'est passé, voilà, j'ai perdu connaissance, je me suis retrouvée dans ce tunnel, hein, dans ce noir. Et au bout du tunnel, il y avait 4 personnes. Donc, mon grand-père qui était décédé, ma grand-mère qui était décédée, la sœur de mon mari et le père de mon mari. Et quand je me suis retrouvée face à eux, donc ils étaient très blancs, très lumineux. Et quand je me suis retrouvée face à eux, je me suis presque fait engueuler en me disant, mais c'est pas ton heure, c'est pas ta place, repars de là, c'est pas possible que tu sois là. Voilà. Et aussi par rapport à mon mari, toujours au niveau ésotérique, puisque comme il était alcoolique, que j'essaie de soutenir, de trouver des solutions pour lui, j'ai fait appel à un sorcier africain, parce qu'à l'époque j'habitais la région parisienne, et j'ai fait appel à un sorcier africain qui a fait des incantations, des rituels, et qui nous a donné à tous les deux des onguents à se mettre sur le corps. Et à boire des certaines plantes. Et j'ai le souvenir très très précis que je. Non, c'est sûr. En fait, on a conçu notre troisième enfance, Charlie, dans cette ambiance, ce genre d'ambiance-là. Et moi, j'avais des tam-tams dans la tête. Et en fait, notre troisième enfant n'était pas prévu du tout. Et du fait de cette ambiance, voilà, ben on a fait l'amour. Et du coup, mon troisième fils a été conçu dans cette ambiance-là. Mais c'était une ambiance très,
Voilà, j'avais des tam-tams dans la tête, mon mari aussi, on avait des rythmes, une ambiance très africaine. Voilà. Voilà, donc il y avait de la sorcellerie quelque part, donc je sais pas s'il y a aussi quelque chose par rapport à ça. Voilà. Donc, ce que je peux rajouter, c'est que voilà, j'ai très très peu confiance en moi, difficultés relationnelles. Ah, voilà, j'ai beaucoup de difficultés avec les hommes, avec le sexe masculin en général, même jusqu'aux animaux. C'est-à-dire que j'essaie toujours de choisir. J'ai des animaux, hein, j'ai un âne, des chèvres, quelques poules, et j'essaie toujours de choisir des femelles. J'ai du mal avec le sexe masculin. Et même quand j'ai appris quand j'avais la grossesse de mon deuxième enfant, donc mon premier enfant c'était une fille et mon deuxième c'était un garçon, j'ai eu très 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 peur d'avoir un garçon. Je me suis effrayée, je savais pas comment l'élever, voilà, je savais pas comment l'approcher, voilà, j'ai un problème par rapport à ça. On se lance, Christelle? Voilà. OK. Très bien. Donc, je vois que tu n'as pas de casque. Donc, l'idéal, si tu veux, c'est te mettre dans une position peut-être plus confortable pour accueillir la session tout en éteignant le D'accord. micro, d'accord? Est-ce que tu sais comment éteindre OK. ton micro? Alors, je le fais. Parfait. Prête, Milena? Oui. Bien, tu as vu plusieurs choses, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux bien partager ce que tu as vu? Oui, dès le début, je la vois allongée sur un lit. On dirait un lit d'hôpital. Elle est attachée à ce lit, à plusieurs endroits. Sa tête est rasée. Et elle a de 20 flancs, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, le tuyau plastique transparent. Il y a toujours quelque chose qui coule. À l'intérieur d'elle, et elle porte une sorte de lunettes. Elle ne me voit pas. Et il y a toujours la voix qui dit, comme de l'extérieur de cette pièce où elle se trouve, il faut lui montrer aussi ça. Il faut expérimenter avec ça. Il faut qu'elle sente ça ou ça. Il y Ok, a toujours quelqu'un qui parle. Milena, dans cette scène, nous sommes en quelle année? Maintenant, Dans le c'est présent? celle-là. Oui. Est-ce que son corps, la façon dont tu le vois, est semblable à son corps physique, hormis les cheveux? Oui, à part de cheveux, oui. Sauf que comme elle est attachée, par exemple, ses seins sont aplatis à cause de ses belts. Comment ça s'appelle en français, Ces tu sais, le bandeaux, oui, ceinture. bandeau, ouais. Aussi le cou, aussi la tête ici, le main, le cheville, Tu ouais. parles d'une voix, pour autant, est-ce qu'il y a quelqu'un de conscient dans cette même pièce? Là, pour l'instant, non. Il n'y a que de machinerie. Il n'y a que un écran immense qui est au-dessus d'elle, qui imite certaines scènes, histoires, et elle le voit à travers ses lunettes. Dis-moi une chose, est-ce qu'elle est dans son corps physique, Milena? Alors, c'est bizarre parce qu'elle est connectée avec son corps physique juste avec les pieds, donc. C'est difficile à expliquer. Juste, elle touche son corps avec le pied. Elle est toujours allongée. Elle n'est jamais debout. Elle n'est jamais complètement dans son corps. Juste, le pied touche le corps physique. Elle se sent assez vide dans son corps physique à cause de cette partielle connexion Attaché avec par soi. les pieds, cela signifie que son corps forme une croix. Ses deux corps forment une sorte de Un croix. T. Ok. Sauf que elle est allongée. Le pied touche. Le corps qui ouais, peut être devant. Quelle vie énergétique il y a dans ce corps physique? Alors. Elle se sent dès le début de cette vie très vide à cause
de ne pas être, de ne pas participer dans la vie profondément. C'est pourquoi elle n'arrive pas à trouver le chemin, la direction. C'est pourquoi elle doute toujours si elle fait ce qu'elle devrait faire. Ce vide est très profond. C'est que tu ne vois pas le sens de la vie à cause de ça. Qu'est-ce qui l'empêche de créer une cohésion avec son corps physique, de se mettre à l'endroit où elle devrait être? Le fait d'être attachée, elle ne peut pas bouger. Elle est toujours dans ses lits. Et aussi, ses lunettes qui la connectent avec les situations qui sont programmées. Donc, elle ne participe pas mentalement dans sa vie. C'est pourquoi cette sensation du vide, parce qu'il n'y a pas d'appui mental pour le corps physique. Elle est dans un monde absolument fantastique à cause de ces scènes qu'elle regarde. À travers ce casque, n'est-ce pas? Ce sont des lunettes très bizarres, noires. Elle ne me voit pas, elle voit que des choses sur cet écran. Est-ce que tu veux, Milena, une seconde, te substituer à elle et voir ce qu'elle est en train de voir en cet instant? En cet instant, elle est dans un endroit, il y a plein de lapins. Et ces lapins sont immenses et comme si elle devrait les attraper. Elle n'arrive pas parce que si elle prend un dans ses bras, il est très grand, il n'arrive pas à prendre le deuxième, le troisième, tu sais. Et c'est comme si elle était dans un jeu et son but est de les attraper. C'est toujours psychodélique, tu sais. C'est ce qu'elle doit faire dans Est-ce qu'elle se ces mondes. projette dans ces mondes? Oui, c'est à travers. Elle ne connaît pas d'autres mondes. Il n'y a que le monde qui est préparé par cet écran. Oui. C'est très Elle pense que. important, Milena, quand je pose cette question, s'il s'agit de projection. Parce que cela permet de savoir quelle énergie est dévolue au corps physique et quelle énergie est absorbée dans ces créations. Toute l'énergie mentale. Elle n'y a pas d'appui mental parce qu'elle est dans ces mondes. De l'écran, ces jeux, etc. Ces univers psychédéliques, comme tu les nommes, est-ce qu'ils sont changeants ou ce sont toujours les Tout mêmes? le temps, il y a plusieurs, je l'appelle ça jeux, mais parfois ce sont des horaires de comme cauchemar. Tout le temps, ça change plusieurs fois pendant la journée, pendant la nuit. Ce qu'elle capte, Le Milena? recette. Ce qu'elle capte à 5 h, 6 h du matin, ces sortes Voilà, d'univers labyrinthiques. c'est le reset, comme si cet écran s'éteignait pour, je sais pas, comme si le cycle journal a terminé et il y a le reset de la technologie. C'est pourquoi c'est le noir, elle ne ressent rien et comme si elle devrait revenir chez elle. Mais il y a une spéciale programmation pour qu'elle ne retourne lentement, tu sais, pour qu'elle ne ressente pas trop. C'est pourquoi la version de labyrinthe dans sa lunette. Parce qu'ils doivent comme changer quelque chose dans cette technologie. Ils ont besoin du temps. Combien de Et temps elle. cette machinerie reste éteinte? 1 heure et demie, le temps terrestre. Est-ce qu'il y a une modification de la condition énergétique? Chez elle. Bien sûr. Alors ça dépend qu'est-ce qu'elle vivait dans ce monde. Si c'était terrifiant, bien sûr qu'elle se calme. Si c'était assez joyeux, elle est triste parce qu'elle se trouve d'un coup dans un labyrinthe, etc. Ça dépend de la dernière session qu'elle avait avec ce monde onirique. Bien, Milena, on en revient à cette information. Autrement dit, Oui. quelle énergie dispose son corps physique en pourcentage? On dirait que ce n'est même pas ces 7% d'énergie vitale Répète. transmise, 7% d'énergie 7%. vitale,
et assez grande partie d'énergie émotionnelle, mais ça influence ce qu'elle vit là-bas, ça influence son corps, mais pas du tout mental, comme si la conscience était interdite, la conscience de soi-même, de ce qui je suis, où je suis, où est mon corps, qu'est-ce que mon corps fait. L'énergie mentale est à eux pour leur expérimentation. L'énergie mentale complètement spoliée. L'énergie émotionnelle, elle en dispose légèrement. Qu'en est-il du corps sexuel? Oh, 40% d'énergie émotionnelle circule entre le corps subtil et le corps physique, et ça vraiment ça fait le tour comme ça circule. C'est pourquoi elle est tellement, tu sais, Fébrile. distorsée. Oui, voilà, parce que ce sont les émotions qu'elle vit dans ce monde et sont transmises sans ce filtre Son mental. corps métabolise ce qu'elle vit dans l'éther. Ouais, peut sentir et ressentir, ouais. Corps sexuel, Milena? N'existe pas parce que sur le monde subtil n'existe pas, parce qu'elle n'est pas dans son corps, parce qu'elle ne peut pas vivre la sexualité. Donc le corps subtil peut-être produit ça, mais ne peut pas être conscient que ça peut apporter le plaisir au Ce corps physique. rapport singulier qu'elle a avec tout ce qui représente le masculin. Et parce que ces êtres sont, selon elle, ce sont humanoïdes. Et le moment d'attachement, le moment où elle était posée dans ce lit, c'était extrêmement violent. Donc, elle se rappelle que c'était les hommes qui l'ont mis dans ce lit contre sa volonté. C'était très violent, ça. Milena, Christelle est-elle née ainsi? Oui, déjà dans ce lit. Oui, cette vie entière est de ce lit. J'aimerais que tu sortes un instant de cette création et que tu me dises de l'extérieur comment est-ce qu'on la voit. Comme si elle était dans une salle d'un hôpital, il y a, où il y a le lit, et oui, avec une fenêtre derrière la tête, Oui, mais quand tu te elle est projettes observée. à l'extérieur de cette création, tu vois également une salle d'hôpital? Un hôpital? Oui, Oh. non, pas entier, juste cette salle. Et c'est entre le dimension, je veux dire, les pieds sont connectés avec la dimension physique, avec son corps. Mais déjà derrière ce mur, comme si ces êtres étaient dans une absolument différente dimension, comme si ça gradait la dimension physique, la dimension de cette salle, donc la dimension de son âme, et derrière le mur, complètement une autre dimension de ses êtres. Ouais. Tu sens ces La êtres? pièce jointe, les Tu deux sens dimensions. leur présence déjà? J'entends toujours la voix de quelqu'un qui la veille, qui dit toujours, il faut lui montrer ça, il faut qu'elle expérimente ça, il faut aussi essayer de lui faire ça, etc. Il y a toujours une voix. Et je pense qu'elle entend aussi cette voix et ça l'effraie énormément parce que elle sait que l'expérimentation ne va pas terminer. Est-ce que tu sens la présence d'autres âmes humaines dans cet endroit? Non, Elle est la isolée. pièce. Immédiatement, combien de consciences, humaines ou non humaines, sont liées à cette création, sont liées à cette âme qu'elle est? Derrière le mur, je vois deux humanoïdes, trois insectoïdes et je vois des gris qui sont juste ouvriers. J'aimerais que tu te places du côté interférent maintenant. Dis-moi ce qu'ils font, dans quelle position ils sont. Les humanoïdes assis, les autres debout, derrière les humanoïdes. Les humanoïdes devant le pulpitre. J'aimerais Il y que tu te a comme balades
entre ces êtres, simplement pour marquer ta présence. Ils ont commencé à imiter les insectes ont commencé à imiter les ondes comme et pour me déranger, pour que je me sente folle là-bas. Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas placer ton index sur chacune de leurs têtes, comme si d'un simple bouton tu pouvais les mettre en mode off. Leurs antennes se sont Rétractées. repliées comme ça et n'habitent plus, ce sont Tous, horribles. tous autant qu'ils sont. Le grillon peur et les humanoïdes m'ignorent, comme si j'étais une guignole pour eux. Peu importe la façon dont ils essaient de t'inviter à co-créer, nous nous servons de l'accord donné par ce corps physique que je transforme moi-même en accord énergétique pour tous les placer en mode off, les uns après les autres. Oui, ça y est, j'ai aussi immobilisé les humanoïdes. Bien. Maintenant, tu vas me dire pourquoi est-ce qu'ils se tiennent tous les cinq là, tout près, ensemble, surtout. Parce que ils ont différents rôles près d'elle. Qui commande? Et cet humanoïde qui est assis au milieu. Alors, de la même façon que tu as enfilé ces lunettes plutôt qu'elles portaient, tu vas enfiler les lunettes de cet interférent et me dire au cours de cette vie présente. Qu'est-ce qu'il a gagné à être connecté à elle? L'énergie mentale, alors Pour en faire quoi? absolument. Ils ont un système technologique qui consiste à sort d'une, on dirait, intelligence artificielle. L'énergie mentale soutient ce système artificiel d'intelligence artificielle. Tout va au centre de leur appareillage, au centre, au cerveau de leur technologie. C'est un immense centre et elle n'est pas seule à donner l'énergie mentale. Alors, Ce plan a un nom, ce projet a-t-il un nom? oui, je vois de bizarres symboles, mais le premier symbole, c'est Y. C'est tout ce que je veux déconnecter. C'est bizarre leur écriture. Bien, il y a voir et il y a ressentir l'essence d'une lettre, l'essence d'un code. Que signifie cet Y? Non, c'est comme le noyau. C'est comme si c'était, tu sais, le noyau d'atomes. Mais c'est immense. Ça s'appelle, voilà, le noyau d'atomes, mais c'est le noyau de leur technologie, à vrai dire. C'est le cerveau de la technologie. Bien, tu le sais comme moi, avoir un projet. Ça signifie qu'on a une idée concrète du produit fini. Donc, il Oui. développe une intelligence artificielle dans quel but? Le noyau qui est dans cette base, parce qu'à cette base, il n'y a que deux humains qui sont attachés et donnent l'énergie mentale humaine, c'est que ce système, leur programmation prévoit nos mouvements, prévoit nos réactions, etc. C'est pour que ce système leur donne du temps pour réagir. Donc, ils sont toujours comme pour qu'ils soient un pas, deux pas en avant, avant nous. C'est pour prévoir Mais que que l'humain va compte-il faire pour faire au l'humain. juste? Connecter ce cerveau, ce noyau à une âme humaine afin d'anticiper ses actes et ses gestes? Oui, pour les autres, ceux qui, elle, fait comme le lapin de laboratoire. Je veux dire, elle participe à ce jeu pour donner l'information à ce cerveau.
Et après, c'est utilisé pour les humains comme plus importants, par exemple le politicien, le gens qui décident. Ils sont capables de le manipuler parce qu'ils connaissent déjà les réactions humaines peuvent bloquer ton intuition ou ta spontanéité et te programmer pour que tu fasses ce qu'ils veulent. Donc tu crois avoir un pouvoir de décision que finalement tu n'as pas. Oui. Donc c'est Ok. pour les gens plus importants pour utiliser ce savoir. Seule l'énergie mentale est extraite de tous ces humains ou seulement d'elle? Ceux qui sont allongés, ceux qui subissent la même chose qu'elle, c'est juste comme je t'ai dit, elle est lapin expérimental. En participant dans ce jeu, elle donne l'information et donc c'est l'énergie mentale. Mais il y a plein de différentes connexions et les gens qui sont par exemple complètement incarnés donnent sort d'une énergie de vice, si on peut dire. Tu sais, quand tu perds ta morale, quand Perversion. tu. Oui, on peut dire, mais c'est pas sexuel, c'est dans tes gestes quotidiens que tu. Tu peux être assez méchante envers les autres Ok. et les gens peur de toi, ne peuvent pas te faire confiance, Milena, etc. on en revient à elle. On en revient à Christelle. Pourquoi l'avoir liée, l'avoir couplée avec un corps physique de cette manière? Et parce que dans une autre vie, elle avait une crise mentale. Et ça leur a donné l'accès à la mentalité, l'accès total. Je Ils ont reformule. utilisé. Je reformule. Dans la même condition ésotérique, sans qu'il n'y ait de couplage avec un corps physique, aurait-il pu prétendre à extraire la même énergie de son corps? Ou nécessairement il Non, faut la parce coupler? que il faut la détacher du corps au niveau mental, parce que sinon elle aurait la conscience d'être dans le corps et ça dérangerait. Comme ça, l'énergie mentale du corps Et subtil est pourquoi pas sans complètement. corps? La même création sans incarnation. Non, ce serait pas si fort. Pourquoi? Ce serait trop subtil. Ils ont déjà essayé avec le désincarné, ça ne marchait pas. Ok. Parce que elle n'est pas attachée, elle ne lutte pas, elle pourrait s'éteindre. Donc, cessez de participer parce que tu n'as rien à perdre. Si tu as un corps inconsciemment, tu veux le maintenir. Donc, tu produis des émotions. Son corps est programmé pour survivre, quoi qu'il arrive. Oui, quand même. Ok. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je suis émotionnellement détachée. De plus, chez elle, le circuit est complètement fermé. Je veux dire, rien n'épate d'elle. Vraiment, tout est tellement travaillé que aucune goutte d'énergie n'est perdue. Donc, rien ne. Il n'y a aucune radiation d'elle. Bien Tout est. maintenant, Le circuit est enfermé. Oui. circuit fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fréquence qui émane de son corps palpable. Non, absolument. Quand je suis près de ce lit, je ressens rien. Tout est à l'intérieur d'elle. Bien, alors j'aimerais à nouveau que tu la rejoignes dans cette pièce, veux-tu? Oui, je suis là. Bien. Maintenant, tu le sais. Je m'interroge toujours au sein de nos sessions sur cette capacité énergétique que chaque être a pour organiser ce que nous sommes en train de réaliser. S'agit-il seulement de son corps physique ou est-ce qu'il y a un appui énergétique soutenant ce travail? Sûrement dans le pied, il y avait un accord. Là où elle est connectée avec son corps physique, qu'il faut. Mais elle n'arrive pas à le monter jusqu'à la tête. Donc, comme si le pied nous donnait un corps, parce que c'est le seul endroit où elle touche son Il y a corps ce physique. contact. Et. Ok. Alors, je vais te demander de faire deux choses. La première, c'est de t'approcher justement de cette région des pieds
et faire passer ta main sans la toucher, Milena, au-dessus d'elle. Comme si ta main pouvait dispenser une sorte de poussière énergétique très légère, très délicate, mais quoi qu'il arrive, supérieure à toute la valeur émotionnelle de son corps. Comme Retiens si les qu'est-ce qui se pieds passe. savaient que je suis là. Mais après, c'est de plus en Juste plus. les pieds, juste les pieds. Oui. Les pieds savent. Maintenant, tu vas simplement tenter une communication télépathique avec cette région vive encore, consciente. J'aimerais savoir si elle est capable, ne serait-ce que de répondre à un comment te sens-tu? Oui. Là, oui. Au niveau du pied, oui. Après, si tu Qu'est-ce qu'elle montres répond de alors? moins en moins Qu'est-ce qu'elle a qu'elle répond? besoin d'aide, qu'elle a besoin d'être accompagnée parce que à cause de ce qui se passe au niveau de la tête, quand elle prennent des décisions au niveau du pied, c'est jamais entier. Je veux dire, elle ne peut rien faire parce que cette partie est complètement détachée de cette réalité où elle se trouve et elle ne peut pas se libérer Bien, la sans deuxième aide. chose que tu vas faire, maintenant qu'elle a exprimé le fait qu'elle doit changer cette situation, c'est se diriger vers sa tête. Et tu vas poser maintenant ta main sur ce casque en propulsant la même énergie, la même fréquence, pétillante, Tu veux dire de électrisante, lunettes parce que sur ici il y ses a rien. lunettes, sur les Oui. lunettes. Oui. Je veux que cet appareil soit également en mode off. Elle est perturbée. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle, depuis longtemps, depuis toute sa vie, elle n'avait pas de possibilité de regarder avec ses yeux et de penser indépendamment. Tu vas enlever ces lunettes. Ses yeux sont extrêmement fatigués, rares et comme si tournés parce que toujours avec ce monde d'écran. Enlève ces lunettes, tu veux? Oui, j'ai déjà enlevé. Bien, et de Très façon fatigué aux yeux. quasi chirurgicale, tu vas enlever chaque connexion qu'il y a dans son corps. Dans la tête est la plus. Le plus lourdement implanté. Il y a une boîte noire à l'intérieur et la tête était rasée pour éventuellement, tu sais, introduire des aiguilles, je sais pas quoi, des objets aussi pour renforcer les sensations. Quand elle sera déconnectée, Milena, tu me le dis. Elle me prie d'enlever cette boîte noire de la tête. Ça fait tourner les yeux. Qu'est-ce que je dois faire, Aurore? Tu laisses cette boîte. Il n'y D'accord. aura pas d'influence sur son champ énergétique, ni même sur sa conscience si tout est éteint. Éteint. Oui, ça y est. Bien. Sûrement, elle est allongée sur quelque chose, sorte d'une matte, mais très étroite, qui couvre seulement le long de sa colonne vertébrale. Ça aussi contrôlait le système nerveux, tu sais. Bien, Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, mais ça fait pitié quand je vois ses yeux. C'est tellement renversé, tellement perturbé. Bien, tu vas attendre une seconde. Ok. Bien. Milena, j'aimerais qu'émotionnellement tu restes très neutre, absolument Ouais, neutre. je suis neutre, je suis. Et tu vas me dire une chose, tu es déjà dans cette création depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a une symbolique à cette chambre d'hôpital, ces machines, ce crâne tendu?
pour elle. Absolument. Et oui, sur l'écran d'un côté, il y a ce Y comme stylisé Voilà. près de ce noyau, mais juste cette lettre, il n'y a pas d'autre comme Pour elle, là-bas dans ce sens. cette création d'hôpital, est-ce qu'elle est reproduite pour les autres âmes? Ils sont tous dans les mêmes environnements? Mais ils sont complètement séparés, je veux dire, il n'y a absolument aucune Oui, mais la possibilité. création Tout est externe. hermétique là-bas, Aurore. Création externe, j'entends. Création externe. Matelas d'hôpital, les perfusions. Le décor est le même Oui, partout ils où tu sont le regardes. même Bien. partout, il n'y a presque rien, Bien. tout est hermétique, tout est bien veillé, il n'y a aucune Communication. connexion, oui, communication, oui. Ok, reste dans cette salle avec elle. Maintenant, à nouveau, tu vas toucher ses pieds, Milena, et à partir de ses pieds, déjà, il y a tout le contenu informatif dont on a besoin, et tu vas te retrouver transporté dans le temps, à un moment où les mêmes cellules, celles-là que tu touches, sont libres, absolument libres de toute interférence. Projette-toi. Où est-ce que tu es? Quand elle est libre et à longtemps sur terre, je la vois une fille à la campagne, mais bien habillée, comme si elle vivait dans un manoir. Par contre, elle adorait jouer avec les enfants de la campagne. Une Elle est seconde. très heureuse. Bien, regarde autour d'elle. Approprie-toi du décor, ça ressemble à quoi? Pas à pas. Le décor rural, on dirait le nord d'Allemagne, quelque chose comme ça. Par contre, je vois déjà une ombre, comme si elle dérangeait à quelqu'un, comme si quelqu'un suivait déjà ses pas sans être connecté. Elle dérange à quelqu'un. Comment est-ce que tu vois l'ADN de Christelle dans ce passé? Humain, mais les yeux sont différents, sont plus grands, comme si elle voyait plus profondément dans le passé, comme cette fille, comme si elle percevait les âmes humaines, comme si elle voyait que les humains sont beaucoup plus que la chair. Les yeux sont vraiment grands à cette époque-là. Tu parles de Mais dans caractéristiques? le Ok. corps normal, mais quand je la vois sur le deux plans, les yeux subtils sont beaucoup plus grands qu'aujourd'hui, que le Est-ce qu'il corps y a physique. chez elle, Milena, déjà cette envie d'être ailleurs, cette envie de retourner à la maison, peu importe Au l'endroit qu'est la contraire, maison? elle se sent bien ici. Elle ne pense pas du passé. Elle est bien là où elle se trouve. Donc, Et je pense que ce que dérange, c'est que les gens qui sont autour d'elle aussi se sentent bien. Comme si elle apaisait la douleur avec sa joie. pourquoi ce corps, pourquoi cette époque, cet endroit? Parce que c'était quelqu'un extrêmement libre qui voulait expérimenter plein de choses. Et voilà, c'était le temps d'expérimenter la Terre. C'était sa propre décision. Elle n'a jamais, à cette époque-là, regretté ce choix. Elle a une grande expérience de s'incarner sur plusieurs endroits. C'est comme si elle collectionnait les expériences d'incarnation. Elle aime Sur bien ça. Terre ou en dehors de la Terre? Non, partout, partout. La Terre est juste un de ses arrêts. Une plateforme d'expérimentation pour elle. Oui, voilà. Mais pas de différence avec. Je veux dire que elle ne traite pas spécialement la Terre ou les autres endroits. Il n'y a pas un endroit, tu sais, qui est Ok. souligné, qui est plus important que les autres. Elle vraiment se rejoint avec chaque expériment. Son ADN est-il humain, compatible? Humain, oui, humain. Bien. Milena, on reste encore dans cette scène. Juste le temps de nous approprier de cette condition de liberté.
dans cet espace-temps. Regarde-la évoluer, parle-nous simplement d'elle. Elle voit, je vois une scène, un de ses copains de la campagne était battu par le papa. Et ça, elle ne pouvait pas croire. Et pour la première fois, elle a vu ces êtres qui lui disaient, c'est comme ça qu'on vit sur Terre. Et c'est comme si elle commençait à percevoir des choses qu'elle ne percevait pas avant, comme. Une seconde, une seconde. Le fait d'avoir ses yeux plus grands, ses captations entre les réalités qu'elle est capable de faire, elle est aussi déjà capable de les entendre sans être connectée à eux? Et en fait, avant, elle ne le voyait pas parce qu'elle était toujours dans de fréquences positives. Par contre, quand elle voit son ami battu, pleurant, etc., c'est injuste. Elle baisse ses fréquences parce qu'elle peut sentir sa douleur et cette injustesse. Et c'est pourquoi elle peut le voir, parce qu'elle a baissé ses fréquences. Bien, donc une de ses consciences s'adresse à elle parce qu'il peut maintenant le faire. Parce qu'il sait qu'il est perçu. Ok. Alors cet Et échange, c'est humanoïde. le même que nous retrouvons dans le présent ensuite. Oui, derrière ce pupitre. Ah. Avance, dis-moi ce qu'ils échangent. Et maintenant, à chaque fois, comme si je la chassais, comme si ces gens, par exemple ce garçon ne les intéressait pas, mais comme s'il la suivait. Et à chaque fois, quand il se passait quelque chose du mal, il apparaissait comme s'il voulait la transformer ses pensées que la terre est mauvaise, que les gens souffrent ici. Donc il disait presque la même chose toujours. Ici, c'est comme ça. Et nous le savons. Et il renforce. Le message, parce qu'après, il lui dit, ici c'est comme ça, et ça t'attend aussi. Toi, tu vas souffrir aussi. Donc, petit à petit, comme s'il voulait la L'affaire changer. co-créer. Ouais. Le moment déterminant un basculement concret de la situation ésotérique de C'est Christine. pas dans cette vie, en fait. Apparaissait plusieurs fois, mais comme si quand même elle restait assez enfermée à ça, Imperméable. imperméable. Mais dans une autre vie, elle avait une crise mentale. Il s'est passé quelque chose de terrible dans sa vie et elle a Qu'est-ce que tu appelles crise mentale? craqué. Son fils était mort. Elle est dans cette hystérie, elle est dans un état que tu peux pas lui parler avec les arguments Elle ne les entend pas. rationnels. Elle est Elena, est-ce qu'il dans y a cette une cause ésotérique à la mort de cet enfant? crise. Bien sûr, comme si eux participaient à ça, mais juste pour la attraper. C'est ce qu'il lui dit. Isole le moment où elle accepte l'interférence, ce moment-là. C'est exactement au moment où elle est à l'hôpital. C'est la fin du 19e siècle. Et les hommes, au niveau physique, l'attachent. Et comme si eux participaient à ça. Elle a extrêmement peur. Elle veut voir le corps de son fils. Elle veut être auprès de son fils, il dit, si tu veux être auprès de ton fils, après la mort, tu dois nous suivre, on t'emmènera là-bas. Elle leur permet, mais ils font une violence. C'est au moment où elle a attaché au niveau physique, eux, ils l'attachent au niveau subtil. Elle reste dans ce lit. Nous sommes bien sur le plan physique. Oui, mais aussi au niveau subtil, il se passe un peu la même, Donc il y presque avait une symbolique à la création qu'ils ont dentelée, qu'ils ont installée même pour elle.
Oui, et aussi à l'hôpital, elle avait le cheveu rasé là-bas parce qu'elle arrachait ses cheveux à cause de cette douleur après la perte. Donc ils ont rasé pour qu'elle ne se fasse pas du mal. Avant d'aller Et plus elle loin, reste rasée. j'ai besoin de savoir si cette vie que tu décris est la vie qui a précédé celle de Christelle ou il y en a d'autres entre. Non, il y a encore deux entre mais très très courte vie. Alors dis-moi si la perte de cet enfant, sans parler de la création interférente, mais si la perte de l'enfant, elle est toujours présente émotionnellement dans son corps ou pas. Elle perd ses enfants, même s'ils ne meurent pas, elle est en train de perdre les enfants parce que c'est comme un trauma inscrit en elle. C'est aussi cette promesse qui la maintient là-bas parce qu'ils ont promis qu'un jour elle reverra son fils, mais c'était un mensonge De façon pour la. différente mais semblable en termes d'émotion, elle perd ses enfants dans le Oui. présent, dans notre vie Oui. présente. Oui, parce que ce qu'elle vit avec ces jeux, c'est la même fréquence de cette panique, de cette douleur, de les jeux sont différents, mais ça, ces réactions paraissent à ce qu'elle vivait dans cette vie auparavant. Si je Oui. te demande dans le présent, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette rupture familiale prononcée? C'était inscrit dès le début en elle. Elle est extrêmement programmée. Alors, elle fait partie d'expériments et tout est prévu. Donc, c'est inscrit en elle. Et c'est inscrit dans ce truc sur lequel elle est allongée, ce qui est collé à la colonne vertébrale. Bien, donc il va s'agir de reprogrammer toute une existence. Bien, avant cela, nous sommes toujours dans le passé, là où je t'ai laissé dans cette chambre d'hôpital, n'est-ce pas? Un autre moment important, parce qu'elle est déjà interférée, n'est-ce pas? Un autre moment important. Avance. Je sais que dans la vie qui suit, les années 20, elle a un homme qui la frappe et elle a extrêmement peur de son mari. Donc de nouveau, il y a cette déstabilisation mentale. Elle meurt. Parce que je sais pas, elle boit quelque chose comme si c'était pas opiate, quelque chose, tu sais, pour Opium. s'endormir. L'opium, oui. Mais pour boire, pas fumer. Elle le boit et c'est pour s'endormir. Elle boit une dose immense et elle ne se réveille plus. Et après, il y a une très courte incarnation Bien. et il y a la Deuxième On Guerre mondiale. saute. Vas-y, Deuxième Guerre mondiale. Et comme si elle a été. Elle faisait partie des expérimentations de nouveau à l'hôpital. Oui, Ok, tu quelque reviens chose dans comme cette vie présente, marquée également par un autre événement, le décès de son mari, Milena, qu'elle a accompagné longtemps, très longtemps. Dis-moi. parce que c'était programmé, elle est comme eux veulent faire des humains, passer le modèle des marionnettes, de c'est pourquoi veulent posséder l'énergie mentale. Tout était prescrit. Oui, mais partant du principe, justement, que c'est l'énergie mentale qui est spoliée. Quand il y a ce type d'événement, elle parle concrètement de culpabilité sur le plan physique. Que se passe-t-il dans son corps émotionnel? C'est difficile de dire parce qu'au niveau subtil, elle n'a pas d'informations. Je veux dire que c'était le corps physique qui vivait seul. C'est pourquoi elle se sent tellement abandonnée parce qu'elle peut recevoir les émotions du corps subtil, mais pas à l'envers. Et la tête n'a aucune idée, sa tête n'a aucune idée qu'elle avait un mari qui était mort. Donc le corps physique était abandonné Bien, alors je reformule. Cette Est-ce que dans situation. son corps énergétique, il y a une fréquence de culpabilité, oui ou non? Et après la mort de fils de cette vie, avant d'être attaché dans ce lit, parce Je parle de qu'après la vie présente. La vie présente.
Non, de la vie présente, non, parce que la conscience est bloquée, elle ne sait pas ce Ok. qui se passe dans la vie Bien. physique, absolument, donc non. Est-ce que dans son corps physique et dans l'énergie qui circule inexorablement dans ce corps physique, il y a une fréquence de culpabilité Oui, au niveau du ventre, du bas du ventre. bien. Donc elle crée ces fréquences. Est-ce que ces fréquences, une fois créées, le sont de façon permanente ou elles s'effacent avec le temps? N'arrive pas à s'effacer parce qu'il n'y a pas cette conscience qui pourrait faire travailler ces émotions, donc reste Ok. intacte. Maintenant, autre chose. Christelle prétend qu'elle joue le rôle de catalyseur à fréquence. Elle entre dans une interaction, l'autre souffre, elle aspire, elle absorbe cette souffrance. Parce qu'elle n'est pas remplie par sa conscience, par son corps subtil. Mais à vrai dire, elle sert comme si le gens arrivaient vers elle pour se soulager, parce que quand ils sont près d'elle, ils savent qu'il y a quelqu'un Qui qui est va dans une accueillir? situation beaucoup. Non. Non. Ça, ils s'en foutent. C'est pas leur truc de donner ces sensations. C'est que quand ils la voient, ils savent tout de suite, inconsciemment, qu'elle est dans une situation beaucoup plus grave, beaucoup plus pire. Et ils se sentent mieux parce que, ok, il y a des personnes qui sont vraiment dans la merde. Avec moi, c'est pas si mauvais. Et ça réconforte énormément. Après, ce qu'elle aspire, c'est parce qu'elle est vide. Mais c'est pas leur Intention. intention de donner, c'est Comment est-ce que tu te ouais. sens, Milena? Bien, je veux dire, je t'ai dit, c'est tellement hermétique que je ressens presque rien. Ok, sauf que dans le présent, tout est en off, n'est-ce pas? Oui. Les consciences de ces êtres également. Oui, bien sûr. Bien maintenant, j'aimerais qu'on se balade à nouveau. Je te demande de remonter les marches du temps. Maintenant, avant même cette vie d'enfant, cette vie dans cet univers rural, bien avant. Elle n'était pas sur Terre, c'était sa première incarnation là. Emmène-nous. Où tu veux, parce que Choisis. c'est... Ton âme va Ok. choisir un moment qui va être parfait à me proposer. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi une incarnation où vraiment elle n'a pas de cheveux, parce que là-bas, le corps incarné n'a pas de cheveux. Je ne sais pas, c'est ça ce qui m'est venu. Parle-moi, dis-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens à travers elle. C'est une race humaine, par contre, un peu différente, parce que les oreilles sont un peu plus piques, tu sais, Pointu. pointues. Oui, et la tête est rasée, et la peau est un peu bleuâtre, mais c'est à cause de métaux ou de particules qu'ils mangent. C'est que ça devient bleuâtre à cause de ça. Le Et... décor. L'ambiance dans laquelle elle évolue. Elle joue avec les autres. On dirait sur Terre, on appelait ça frisbee. Mais c'est différent. C'est comme s'il lançait une banane. Ouais. S'agit-il Elle d'une joue. planète, d'une galaxie, d'une étoile? C'est une planète, mais beaucoup plus grande que la Terre. Ils sont nombreux. Et oui. Et la vie est vraiment. Comme se passe doucement, se passe en foi, sans, oui. Est-ce qu'elle est intégrée à une densité physique? Oui, très. C'est pourquoi elle s'incarne, pour expérimenter, oui. Ok, alors maintenant tu vas sortir de cette scène, tu vas t'en déconnecter et tu vas la capter à un moment où elle est dépourvue de densité physique, juste une énergie. Ce moment-là. Ah, avant. Oh. Peu importe. Peu importe. Oui, par exemple, quand elle quitte cette grande planète, où elle jouait avec les enfants, où elle s'occupait des enfants, oui. Bien, dépourvue d'identité physique, de densité physique. Elle est transparente, comme Bien. si elle portait une robe, mais c'est son choix. Milena, j'aimerais lui parler dans un de ces moments-là. Oui. Me laisserais-tu? Oui.
Bien, alors laisse-moi parler directement avec Christelle. Christelle, Oui. puis-je t'appeler ainsi? Moi, c'est toujours moi. Donc oui. Sais-tu alors pourquoi je te nomme ainsi? Oui, je ressens l'inquiétude au niveau du ventre. Tu veux me transmettre les informations du futur comme si je pouvais les pressentir déjà dans le ventre. C'est pas plaisant ce que tu veux me dire. C'est vrai, ce n'est pas plaisant du tout même. Oui, c'est dommage. Parce que moi, j'adore la vie. J'adore être incarnée. Dans des champs physiques, n'est-ce pas? Oui. Je me sens en plénitude. Je me sens bien avec les autres. Tu peux Oui. garder cette Oui. plénitude dans cet espace tout en regardant déjà ce qui a été créé jusqu'en 2021. J'ai besoin que tu t'appropries de cette matière, de ces événements de vie. Quand je le regarde de l'extérieur, je vois à quel point la mentalité humaine est intoxiquée par ces êtres autour. C'est goutte par goutte, ils empoisonnent. Et moi, je faisais partie aussi de ce groupe. C'est la Et seule je. façon qu'ils ont de nous enfermer ici. Si tout restait très léger, nous repartirions très vite de cette planète après l'avoir expérimentée. Oui. Ils ont besoin de nous maintenir attachés à ce champ physique. Ils ont fait de la Terre un laboratoire où humain sur Terre n'est plus vraiment humain, comme si distorsionnait la vraie nature humaine. C'est pourquoi on est souffrant sur Terre. Je sais que tu as beaucoup d'informations qui déjà transitent dans ton esprit. J'ai besoin que tu isoles ta seule condition. Moi aussi, je souffre parce que je veux pas être moi. Je souffre énormément parce que ma conscience d'être est bloquée par eux. Tu parles Oui. d'intoxication au goutte à goutte. Penses-tu possible d'échapper à ce type d'intoxication? Oui, bien sûr, je peux dire non. Mais maintenant, je suis consciente que je veux vivre parmi les gens qui sont intoxiqués. Et ça, je ne peux pas influencer. Mais oui, moi, je peux éviter. Penses-tu cela possible? Penses-tu que cela peut être créé ou transformé? Oui, avec la conscience libre que j'ai maintenant, oui. Alors j'aimerais que tu insuffles cet état de conscience libre à celle que tu es dans mon présent. Je vois mon corps subtil qui se met en rage. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi je ne suis pas dans mon corps? Je dois être dans mon corps quand je suis incarnée. Je vois à quel point mon corps subtil est enragé. Je suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Pourquoi je suis comme ça? Alors insuffle-lui le savoir, insuffle-lui la sagesse, toutes les Erreur. informations qui vont calmer cette énergie dans mon présent. C'est une erreur commise par manque d'expérience avec ces êtres, avec leur façon de nous manipuler. Calme-toi. Une simple information apaisera ton corps d'énergie et chaque cellule Je suis traumatisée. assise dans le futur, Bien, on y est. mais s'il y avait tant d'émotions qu'il produisait, maintenant c'est la tristesse. Quand mon corps se rend compte de tout ça, pleure maintenant.
Utilise ton propre corps d'énergie comme canal. Tu peux, en cet endroit, Enlève la tristesse. mais pas que la tristesse, pas que la tristesse. Libère-toi de toutes ces émotions intoxiquées. Le temps n'existe pas. Tu parlais il y a un instant de sérénité, de liberté. Le temps n'existe pas. Utilise ton propre corps comme canal pour débarrasser dans le présent ces contaminations-là. Oui, mais tout est tombé. Je veux dire, les implants sont tombés, les yeux se sont remis sur sa place. Je suis pleine, je me vois pleinement consciente. Et je veux retourner dans mon corps, point final. Fais en sorte de naître dans ce corps, de n'en être jamais sorti, décalé, jamais. Couple-toi avec ce corps physique d'une façon parfaite. Mon corps physique en choc, comme si deux lignes temporaires s'unifiaient, et juste celle-là qui était jusqu'à là est en train de s'effacer. Laisse-la s'effacer. Tout est en train de se transformer. Je suis dans le corps, je permets mes cheveux pousser, mes yeux de se guérir. Mon système nerveux de se guérir aussi. Je souris. Je me retransforme. Laisse-moi avec Milena. Milena, Oui. déconnecte. Mmh. Déconnecte. Oui, je Va suis te déconnectée. placer au centre de cette situation avec à la fois une vue sur le passé et une vue sur notre présent. C'est pour ne pas produire le choc dans le corps physique, comme si elle voyait deux streams temporels, celle qui s'est déjà passée, et comme elle a tout changé, elle est présente, elle reprend cette autre ligne, et ça disparaît. Et elle reprend le corps physique et lui donne toute l'énergie, toute la joie qu'elle possède, toute cette sagesse qu'elle a, ces informations. Elle guérit son système nerveux en lui envoyant les informations. Oui, jusqu'à là, je comprends que tout était erroné dans la tête. Mais maintenant, tout est là, tout est à sa place. Il n'y a plus du vide ni dans le corps ni dans l'esprit. Comme si tout prenait sa place en elle. Et il n'y a plus de vide. Il n'y a absolument plus de vide. Et quand elle se remplit avec plaisir, avec beaucoup de respect, beaucoup de tendresse, beaucoup de joie. Et il y a cette sensation qu'elle n'est pas obligée de rien faire, je veux dire. Elle ne s'oblige à rien. Elle est, c'est tout. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Tu es toujours à cheval entre deux dimensions, n'est-ce pas? Non, maintenant je suis. Comme si je. Ou, en fait, oui, je vois le corps physique et le corps subtil, Reviens, mais ils ne sont reviens, pas partagés, ils sont un. unifié, reviens dans le présent, tu veux, dans le présent, Mais en 2000, je suis. bien. J'ai Je besoin suis. de m'en assurer, Milena. Oui. On y est? Oui. Alors On y est. superpose les deux plans, son plan physique et son plan énergétique. Dis-moi si C'est elle est ce que je vois parfaitement depuis. couplée. Il y a encore comme 1 cm pour terminer, pour compléter
unification avec le corps physique, mais elle le fait doucement, Progressivement. elle progressivement parce qu'elle ne veut pas faire choc, en fait, produire le choc dans le corps physique. Mais elle sait ce qu'elle fait, elle le fait doucement. On attend, on lui laisse ce temps. Et le corps physique maintenant a cette sensation que quelque chose s'est coupé derrière, comme si elle ne traînait plus le trauma du passé. Que... Parce que tu vois, je te disais qu'elle était. Le pied touchait ses dos, tu sais, derrière. C'est comme si elle avait cette prolongation dans le passé. Et maintenant, le corps physique est enfermé. Je veux dire qu'il y a rien qui traîne. C'est comme si un nuage immense noir s'est dispersé autour d'elle, et spécialement derrière elle. Oui. Quand tout ce que tu appelles nuage ou symbolique de nuage noir aura disparu, tu me le dis. Oui, mais c'était comme si c'était son passé, ce n'était pas une étrange énergie. Et maintenant, elle n'a plus peur de regarder le passé comme tourner derrière elle. Par contre, elle est focalisée sur son présent et son futur. Elle peut avancer, enfin. Le corps physique ressent pour la première fois dans cette vie qu'elle peut avancer. Parce que comme si ses pieds, cette connexion par les pieds, la retirait dans la Son corps situation. physique, justement, nous avons vu plus tôt qu'il y avait certain nombre de fréquences cristallisées dans son corps. Elle peut s'en débarrasser de ces fréquences-là Le aussi. corps subtil a tout Ok. neutralisé. C'est pourquoi je t'ai dit qu'elle ne ressent plus obligation de faire quoi que ce soit, que comme si rien, il y a aucune obligation. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Présente, c'est ça ce qui lui manquait toute sa vie, présente. Est-ce que tu la vois, est-ce que tu la sens connectée à une autre conscience qu'elle-même en cet instant? Non, pas du tout, non. Non, par contre, vraiment, l'absence d'elle-même faisait ce vide pour aspirer tout autour d'elle, oui. J'aimerais que tu lui demandes un instant d'embrasser pleinement tout ce qui appartient au domaine de sa réalité physique. Mais elle s'est replantée dans la réalité physique parce que quand elle a retrouvé son corps, elle a retrouvé aussi cette réalité. Demande-lui si elle aspire à modifier cette réalité physique. Oui, parce qu'elle maintenant, elle peut se mener à travers cette vie et elle peut être ancrée dans cette vie. Avant, la vie n'avait pas de sens parce qu'il y avait ce vide immense qu'elle ne comprenait pas. Demande-lui si je peux lui être encore d'une quelconque utilité. Non, elle doit vivre elle-même. Personne ne peut pas vivre à travers elle ou Suis pour ravie de sa part. l'entendre. Pour autant, Milena, avant de rentrer, j'aimerais que tu te projettes dans le futur avec cette condition ésotérique présente de Christelle. Elle retrouve la paix avec la vie. Elle aussi commence pas respecter, mais quand tu es d'accord là où tu es, où tu as, quand tu vraiment respectes ça, admires ça, apprécier. Et elle apprécie ce qu'elle a. Elle apprécie. Son rapport avec l'énergie féminine comme masculine. Il n'y a plus de peur. Aucune importance. Et il n'y a plus de trauma après avoir perdu le fils. Aucune Est-ce qu'il y différence. a dans son corps, et je dis cette fois physique, une programmation comme celle-ci, Milena? Chaque jour est une fin.
chaque jour est le dernier? Non, parce que ça venait de ce vide, de cette sensation du vide, c'est que encore un jour, J'ai sans besoin de sens. m'assurer qu'elle n'a pas comme cristallisé Non, ce elle est type de remplie. fonctionnement, bien, au Elle est physique. remplie et ce n'est pas plus, tu sais, un puits vide, mais il y a une Bien. plénitude à l'intérieur. Donc non. Parfait. Bien. Demande à sa partie subtile si elle souhaite s'adresser à son corps physique, à la femme qu'elle est. C'est avec le calme dans la tête qu'elle se parle sans parler Aurore. Elle n'a pas besoin de mots, mais ressentir la paix dans la tête, c'est sa conversation avec soi-même. C'est comme si à travers cette paix à l'intérieur, elle voulait se dire, je suis là. Je suis là. Je serai là. Et je me donne tout. C'est tout. Bien, alors tu la salues. Et nous rentrons. Oui. Et je compte maintenant, Milena, de 1 à 3. À 1, tu es déjà déconnectée de Christelle, déconnectée de tout et de tous. En une fraction de seconde, l'émotion que tu aimes par-dessus tout expérimenter renaît dans ton corps, jaillit dans ton corps de façon intense, pétillante, prenante dans tout ton corps, dans chaque cellule. Les mouvements respiratoires sont plus amples, tout ton corps devient plus léger, s'épanouit. En rentrant à deux à nouveau, en ressentant ce corps physique dans lequel tu te sens bien, cette énergie délicate circulant le long de ta colonne vertébrale en mouvement régulier. Et tout ton corps s'éveille, Milena, des pieds à la tête et à trois. Milena, bienvenue en Oui, 2021. suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Très bien. Ok. Christelle, je te laisse revenir physiquement parmi nous. Oui. Et on t'entend. Un mot? Beaucoup d'émotions. Beaucoup de liens que j'ai fait hein, par rapport à tout ce que Milena a pu dire. Voilà, beaucoup de. Voilà, le Y dans mon prénom, voilà, les cheveux, enfin, les lunettes, voilà, beaucoup de connexions. Comment est-ce que tu te sens, Christelle? Bouleversée. Un peu perdu aussi. Ça fait partie du travail. Une sorte de renaissance est tout aussi perturbant qu'une première naissance. Ok. Récupère, repose-toi, tu peux sentir un peu plus de fatigue que d'ordinaire, peut-être au courant de journée, puisqu'il est encore tôt en France. D'accord? Christelle, dis-moi une chose, cette session, est-ce que tu me laisses la publier, la rendre, la partager avec d'autres? Mais je... Oui, et non flouté. Alors, Milena va sourire. Bravo! Super! Bien. Merci beaucoup, Milena. Merci beaucoup. On reste en contact et tu nous dis un peu comment ça se passe dans les prochaines semaines, d'accord? D'accord. Je te garde une Très bien. minute en ligne, Christelle, ne coupe pas, Milena, merci pour ton travail et au revoir à tous.